mercy or compassion in Sweden. يا غصاي وينك يا أولادي وينكم يا أولادي بالمشفى من بعد عمره 5 دقائق تم سحبه من المشفى في هذا المبنى. Je fais rien pour la retenir, c'est bien même qu'elle va. C'est bien même. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. Tu m'entends tout bon. Et tu entends tes cœurs. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà, là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et il a, j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà, vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Les gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux, ils ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui eux font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 euros par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 euros par jour.
Je vous promets, donner les 1090 euros à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille. En règle générale, qu'est-ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finances. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 euros par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 euros par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 euros par mois. Ok, vous avez les charges, tout vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigne. En parlant de justice pour tous et en interrogeant Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi sur la transparence de la vie publique a été adopté ce matin par le Conseil des ministres. Précise que toute personne dépositaire de l'autorité publique exerce sa mission avec, je cite, « dignité, probité et impartialité ». J'imagine donc que cela doit d'abord s'appliquer à ceux qui disent le droit et qui rendent la justice au nom du peuple français. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les poussent à être violés, violentés et à la mort ? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois. Donc respecter les lois, pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la. Ainsi que la chaîne YouTube Criminolix, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminolix et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.